Bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce nouvel épisode du Free Play du SPR pour le Nuzlocke Challenge de Pokémon de Saphir sur Emurator. Sur Emurator, si. Pourquoi il prend cet accent débile, je ne sais, mais il est plein quand même. Hein? Donc, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode. Hein? Donc, on va essayer de faire le mot Memoria. Donc, le mot Memoria, c'est l'espèce de mot là, qui se trouve là, sur la montagne. Là-haut, sur la montagne. Il est trop... Bon, bref, vous l'aurez compris, j'avais envie de durer, juste de durer. Je suis content, hein, très content même. Et un Pokémon qui se trouve ici, un Tentacool. Oui, non. Qu'est-ce que j'ai peur à le capturer au pire. Et bah, il est mort. Voilà. Tout simplement, il est mort. Donc, ici dans cette zone-là, il n'y a aucun Pokémon intéressant. Hein. Que je l'ai déjà capturé. Il est même déjà évolué. Donc on va se faire cette tour en vitesse. Alors, il me semble qu'il faut que... Oui. C'est bien SPR. T'as pas oublié ce coup-là. Enfin, si t'as oublié, parce que c'est le combat d'avant qui t'a fait penser. Mais... Bon, voilà, on commence les petits combats. Hein. Alors, un Galégon, donc le tonnerre, ça devrait être 2 OHKO. Voilà, t'as de la défense P de merde. Ça c'est quoi ça? Une hyperbole. Ça c'est un combat double. J'ai envie de parler à la meuf, tiens. Parce que je suis un pervers. Voilà. Si je suis là, c'est parce qu'on a fait un pari avec mon petit ami, c'est effrayant. Comme je suis avec mon petit ami, ça va. Je sais, mon petit ami va être à quoi s'il va te battre. Ok, d'accord, très bien. Vous avez l'air d'un couple de... Cool, lol. Bref, on se les flingue, donc surf et aile d'acier, oui. One shot, ok. One shot, ok. Ça, c'était de l'expéditif. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y avait peut-être un petit coup critique. Alors, Eye Tricker, est-ce que ça, c'est des mecs pas gentils? Voilà, tranche, tue. Bon bah là, un autre, hein, je l'ai pourvu, Tarsal. Morsure. Kyria. La même. Voilà. Hop, alors là ici, il y a un mec comme ça. C'est donc un karatékin. Voilà. Donc, tornade. Alors, une attraction parce qu'il est mal. Voilà. Tornade. Putain, ça te tue pas, quoi, sérieusement. Faut leur acheter des... Faut... Je sais pas. Bon, ok. Bon, ça te fait rien, de toute façon. Ok. Si tu veux. Alors, moi, je te fais une petite morsure pour t'achever, parce que je sais que t'allais mourir, même. Comment je t'ai snob? Oh mais comment je vous snob? La manipulation de la chance dans ce jeu là, elle est assez facile à faire. Dès qu'ils tournent la tête, pouf, tu fonces. Ils n'ont pas le temps de retourner leur tête chez pote. Comme si ils étaient bloqués. Non, on va mettre Eye Tricker. Eye Tricker 95. Hein. J'aime tout ce qui fait peur, c'est comme une maladie. Comme je suis ici, je tremble de peur. Putain, il fait peur. Putain, elle est effrayante cette Misty maniaque. Polichombre donc. Ouais, elle a peut-être un Pokémon Psy derrière. Très probablement. Parce que Polichombre, c'est un peu de la merde. En Polichombre, en tout cas, c'est un peu de la merde. Il y a un peu chaud à faire monter. Aouh. Et un Kadabra. Bon bah voilà. C'était prévisible. Enfin, si on connaît le jeu, hein, évidemment. Donc dans cette tour, il n'y a que des Polichombres. Alors si vous rencontrez une autre chose qu'un Polichombre, faites-moi signe. Ou si c'est un Polichon Shiny, faites-moi signe. Hop là. Et donc. Ou alors peut-être qu'on peut rencontrer les évolués, je ne sais pas. Mais bon. Personnellement, j'ai pas rencontré autre chose que des Polichons dans cette tour. Un Ténéfix. Un héros piqué.
t'es même pas mort. Putain, il me touche 5 fois, c'est franchement c'est dingue. Moi quand je fais combo griffe, je touche 2 fois, allez. 3 fois, tout que c'est. Et eux, non, 5. Morsure. Oui, sinon ça marchera pas. Donc, là c'était 30 qui est ballon. Ah non, sans doute, on passe par là parce que ici il y a une autre Pokéball. Et oui, j'avais fait attention au chemin quand je suis passé par là. C'est limite, il fallait aller tout en bas. Non, si j'ai fui le combat, j'avais pas le droit. Donc j'ai foutu. Voilà, et on tombe ici, et on arrive là. Bon bah écoutez, on va le faire up. Hein. Il a tellement envie de up apparemment. Allez hop, allez hop, allez hop. Requiem. Mais c'est de la merde. C'est grave de la merde. Donc on va faire une petite pause. Hop, à tout de suite. Et on se retrouve donc pour capturer un Pokémon, parce que oui, genre, si je vais pas faire pipi, moi, je suis dans la merde. Donc voilà, donc écoutez-moi cette merveilleuse musique. Je vous laisse apprécier. Voilà, donc une merveilleuse musique, moi je l'adore. Donc on va essayer de se capturer ce Pokémon. Allez, prions. Un Polichon. Donc il n'y a que 3 ou 4 Pokémon dans cette zone là. Et j'en ai déjà capturé un. Pour vous dire, j'ai une chance sur deux de tomber dessus. Allez, fais-moi apparaître THE Pokémaster. D'ailleurs, on va changer de Pokémon. Parce que comme on est dans l'herbe, je peux faire force nature pour lui changer son statut. Allez, dégage. Oh non, un Gwiz. Je l'avais jamais vu ici, putain. Quoique j'ai capturé un Béquipan, je crois que ça peut se considérer comme déjà capturé. Ouais, il me semble. Hein. Ouais, il me semble. Si c'est pas vrai, tant pis. Voilà, de la merde. Je peux pas me faire chier pour... Non mais, sans déconner. Voilà. Ah, si je t'avais raté, toi. Oh, t'as un faible niveau, toi. Parasport, ça marche. Possessif. On avait des capacités en commentaire, non? Je vois pas lesquelles, mais bon, si tu le dis. Apparemment, je peux plus lui faire d'attaque. Sinon, il meurt. Oh, j'ai pas de boule, quoi. Bah voilà, c'est fait. Tout simplement, c'est fait. Ça a été très rapide. Bon, bah voilà, on a capturé Goopix. Ça me fait vraiment plaisir. Donc, continuons. Ouh, ah oui, c'est vrai. Le brouillard s'épaissit. Potion max. Ça, c'est une très bonne potion, putain. Pour un Nuzlocke, c'est très pratique. Ville Max, ça aussi c'est génial. Ici c'est un endroit, je vous conseille de le fouiller parce qu'il y a plein de trucs. Hyper beau. Donc normalement il faut choper le cherche-objet pour ça. Alors là on arrive vraiment au Mont Memoria où là il y a des combats de fous furieux qui vont se profiler. Intéressant. Je reviens. Donc, c'était juste un message pour me prévenir. Oh, cette musique. La fin de la musique était sympathique. Donc,
Qui va tomber contre des Pokémon de ce type là? Je pense Charmeleon est un bon choix. Alors, ici il y a aussi des Pokémon ici. Comme ça je le savais plus ça. J'en avais plus la mémoire. Pollution. Bon, on va fuir hein. Alors, il y a des Pokémon ici aussi. Est-ce que ce serait pour la même zone? Parce que si c'est la même zone, ça sert un peu à rien. Je crois que c'est pas la même zone, parce qu'il n'y en aurait pas eu des Skelnox. Ils sont rares dans cette version, il me semble. Eh bien, ça fait un autre Pokémon que je peux tenter de capturer. C'était moi bonne chance. Ouh, là, c'était short. Alors, vas-y. Et voilà, Skelnox est capturé. C'est bon, ça. Je vais pouvoir m'en faire un Terra Club de fou. Enfin, j'espère qu'il a des... j'espère qu'ils ont tous les deux des bonnes natures. Ce serait plutôt sympathique. Pour eux comme pour moi. Bon, ça fait deux Pokémon de capturer. Et on va se lancer ici. Voilà. Donc j'accélère, évidemment. On va argenter. Ça fait rien. Giga sens. Ça fait plus de dégâts apparemment qu'au critique. Tout fait plus de dégâts que... bah, tornade, hein. Il a que des Nosferapti. Tornade, 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 ça se fait vite. Ouais, on peut passer derrière lui maintenant. C'est lequel? Guzingue. Ce qui permet d'augmenter la défense spéciale, je crois. De mémoire. Alors, ça lag un peu, ça rame, je sais pas trop si c'est dû à quoi. Mais dans l'absolu, c'est pas très grave. Vent argenté. Ça est super efficace. Ouh, le giga censure. Il m'en reste une. Je vais le garder pour le boss. À moins que... ouh, mais j'ai 3 huiles max. Voilà, donc là, on peut passer derrière lui également, encore une fois. De toute façon, c'est pas comme si on pouvait pas le faire juste après. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, tout le monde se barre et on pouvait leur passer derrière dans le dos. Donc là, il me reste une giga censure, on sait jamais ce qu'il y a dans le, derrière le boss. Alors, pareil ici. Je pense que... ouh bah, tenez, un super moment, si vous le saviez pas. Je suis plutôt fort pour trouver des objets comme ça. Ici il va rien avoir. Ouais, parce qu'il y en avait un de l'autre côté donc. Ici il y a juste des Pokémon. Je sais même pas s'il y a besoin de l'affronter en fait. D'accord, donc là il va juste se barrer. Donc là ça va vraiment être la suite de la quête, mais bon là on va s'arrêter là. Pour cet épisode en tout cas. Donc là on nous donne l'orbe bleue pour poursuivre l'orbe rouge. Parce que si les deux orbes sont séparés, il peut se passer des catastrophes, blablabla, blablabla pour Pokémon quoi. Ouh. Voilà. Et du coup, enfin techniquement il faudrait donc que je retourne à Poivre Sel, mais là, on va aller voir mes Pokémon, alors. Oui hein. Je ne fais pas comme tout le monde, une fois que je saute au vol, moi je nage. Et comme ça me saoule, je vole maintenant et j'ai l'air d'un gros imbécile. Mais c'est pas grave. Donc on se retrouve ici, hop là. Donc on soigne nos Pokémon. Voilà. Donc, ah oh, il a une Beffray en plus. Bon. Brave. Brave, 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 attaque moins vitesse. Bon, c'est moche. Docile. Défense P moins défense. De mémoire. Ça peut être sympathique pour un talent spécial. Ouais. Bon. Bon, bon, bon. Eh bien, on verra ce qu'on peut en faire. Hein? Donc moi je vous dis, bah, je vais les sortir.
Je vais les retirer. Non, c'est pas en fait. Voilà. Je vais les retirer, je vais les entraîner. Et on verra bien ce que ça donne. Allez, à plus, salut tout le monde. Ciao, ciao. Pourquoi je fais ça? Un vrai idiot.